principe, on est censé débuter à 50 ans par des mammographies, échographies selon un rythme biannuel, enfin tous les 2 ans. En pratique, on s'aperçoit que les patientes, souvent, notamment en région parisienne, sont suivies selon un rythme annuel, avec des traitements qui, avec des, pardon, des dépistages qui commencent bien avant 50 ans. Ensuite, il y a tout ce qui est donc lié aux antécédents familiaux, qui font qu'on est amené quelquefois à commencer très tôt le dépistage de maladies du sein avec des examens comme bien sûr des mammographies, échographies, mais aussi des IRM.